Bonjour, bonsoir, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, on découvre donc Dying Light 2. On avait fait le premier avec Sir de Brotte, Jérémy de son patronyme, et nous allons attaquer la découverte ou redécouverte pour certains, alors que le jeu sort à peine, Dying Light 2, alors que tout espoir est perdu, alors qu'on pensait avoir malgré tout trouvé l'antidote à la zombification et un variant, signe de crochet, autour de l'originalité, est apparu de nouveau, eh bien, on se retrouve dans la Creuse, peu ou prou, dernier bastion de l'humanité. 2036. Aïe ! Parce que c'est marrant parce que... un jour où tu dois sauter et courir. C'est quand même bon. Ah mais même eux. Ce sont des zombies quasi là. Ce jeu était plus drôle avant. T'étais plus jeune aussi. Et plus bête. Ce qui compte, c'est que tu sois toujours rapide. Parce qu'un pèlerin un pèlerin mort, je sais. Monte ici, je vais te montrer un truc. Maillard qui fuyait les modos qui sont sortis de la cave. On va faire un test. Ça marche. Bon, c'est pas mal, hein. Ok, là, c'est l'objectif, hein, on voit avec les engins colorimétriques. Ok, on peut... je pense pas qu'il y a de zoom, hein. Je vais prendre ma longue vue. Ah, c'est quand même très, très joli, hein. Wow, ok, d'accord. On a les mêmes sensations que là. Voilà. Aïe 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 aïe. J'ai un plaisir de ça. Ok, et là on est où? Il est monté, ok. Waouh waouh. Ah mais c'est pentu! Ah non, mais attendez, c'est... Ok, et après j'ai plus de force. Est-ce que c'est le principe? Ah mais c'est totalement principe. J'ai plus de force pour grimper. C'est-à-dire qu'il y a la pente. Alors c'était pas... Et c'était évidemment pas là-bas qu'il fallait aller, mais... T'as un effet d'endurance sur une pente. C'est horrible. Je sais pas s'ils vont ajouter ça. Comme gameplay. Enfin, comme élément de course-poursuite, comme séquence, te retrouver en train d'escalader une pente comme tu peux. C'est loin ça, non, d'un cul-cul. Ok. Merde, mec, t'es encore fort. Quelle vulgarité. Ok. Je présume que tu vas faire le tour là. Ouais. C'est ça, tu fais le tour. Regardez comment c'est beau. Bon, c'est mal garé toujours, mais regardez comment c'est beau. C'est quand même très joli, hein. Aïe! Je m'ai glissé la bille VZM. Alors, là, par contre, comme vous remarquez, il y a quand même des plantes qui sont d'une autre couleur. Aide-moi! C'est pas possible! Attendez, on va tenter un truc de... De ouf. Libère ton esprit! Ça fait depuis quelques années que je fais ça. La vidéo YouTube commence bien!
Ça sera... Non, tous les trucs hyper risqués, on va les couper au montage. Tous les trucs de ouf, tu vois. Tout ça, on va grave couper. Pour être sûr de garder le meilleur, tu vois. Ok. C'est ça. Ça, c'est le saut. Merci. C'est bon de te voir, Spike. Ça fait combien de temps? Beaucoup trop longtemps. Mais ne deviens pas trop sentimental. Où est-ce qu'on va? Tu verras. C'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. La manette. La plupart des pèlerins ne tiennent pas 2 ou 3 ans sur la route. Alors toi, ça fait 4 ans que t'es là. Et tu es toujours là. Toi aussi? Je sais, mais je suis vraiment génial. Ouais, moi aussi, quand j'ai une manette, c'est ouf. Ouais, c'est ça. Sérieusement, j'aurais aimé avoir autant d'énergie que toi. C'est la manette. Le mec qui apprend pas. Ah, JPP. Bah ouais, mais eux aussi, tu vois. Le clavier souris qui galère. Attends, j'ai une astuce. On va aller voir les commandes. Non, tu sais quoi, je crois qu'on va... juste prendre la manette. 4 ans que tu essayes de monter. Oui, 4 ans, écoute, ça va quoi, les enfants grandissent si vite. Ouais, je sais que... Une nouvelle piste pour Jane. On a perdu sa trace après New Paris. Tu prendrais quelle route? Par Baines ou Gary? Baines, quel trou perdu. Il reste 5 huttes branlantes et une clôture délabrée. Là-bas, personne n'a connaissait. Toi aussi t'as galéré. Toi aussi t'as galéré, j'ai vu. Gary. Dans ce cas... Je vais aller vers le nord. Va d'abord vers l'est. Il avait pas de manette. Pense à aller vers le nord. Pourquoi? T'es pas au courant? Le pont sur la Skra a disparu. Emporté par la crue de ce printemps. Il faut traverser par le vieux fjord. Il y a clavier. Regarde, Aiden. Une ruche pleine de miel. On ne peut pas laisser une opportunité comme celle-ci se perdre, non? T'as raison. Ça. Regarde autour de toi. Il y a peut-être aussi de la camomille qui pousse ici. De la camomille! Où ça, de la camomille? On se connaît depuis longtemps, mais je vais quand même m'énerver si tu te dépêches pas. C'est pas ce que t'as dit quand j'ai essayé d'escalader l'escalier. Tu vois. T'avais l'air vachement énervé, hein. De la camomille. Tu sais à quoi ressemble la camomille, non? Bien sûr, ça ressemble à... ça a 4 roues, ça a aussi une chaîne de vélo... Camomille! Ah, camomille! Look, la camomille! Oh, le sauvageon! Tu sais à quoi ressemble la camomille, non? Oui, vu que j'en ai un sur moi! Incroyable, ça. Tu te souviens de cette vieille herboriste que nous avons escortée jusqu'à son village? Pas si vieille. Ah oui, celle qui avait ce dicton. Souviens-toi, la camomille et le miel sont des cadeaux aux nombreuses vertus. Combine-les, et par chance, tu pourras continuer à vivre. C'est giga chelou comme... comme expression. Attention à un nouveau plan. Le plan. Ah ok, le plan de camomille, d'accord, c'est pour ça. Ah, pour le craft! Il s'agit d'objets de recette. D'une recette qui vous permettra de fabriquer des objets consommables. Ok. Ah ouais, on peut le fabriquer, très bien. On peut en faire un deuxième. Très bien. C'est bien le craft, c'est bien. Allez, on y est presque. Oui. Par contre, en haut à gauche, la jauge, j'ai l'impression... que c'est le moment où ça devient la nuit, hein. Pas quoi. Courte. Courte échelle. Allez. Non. Ah, quelle ambiance. Waouh. Belle maison, dis donc.
C'est verrouillé. Je vais essayer de passer par là. Tu vérifies de l'autre côté. Prends tout ce qui peut servir. Ok. Tout ce qui peut servir, tout ce qui peut servir, tout ce qui peut servir, celle de pénitent. Va nous trouver un moyen d'entrer. Tu peux pas t'attendre à ce que je te tienne la main tout le temps. J'osais pas le demander. Oh, oh ma oh, oh. Oh non, je me suis trompé de film. Si on faisait rentrer de la camomille dans la serrure. Ah attends. Ce qui est très drôle, c'est que j'ai beau avoir cherché, je pouvais pas m'accroupir jusqu'à arriver devant ce rideau de fer. Et maintenant, je sais maintenant comment baisser. Merci pour ton follow, métalliste. Attends. Ah, ça indique des choses à travers le... Ok, c'est de la monnaie. Très bien. Là, on a partout du matos, on a de quoi. On va d'abord looter avant d'activer des... Avant d'activer quoi que ce soit, type d'observation, parce que généralement, et c'est un peu traître, le risque, c'est d'activer une cinématique. Par contre, ok. Ok. Genre ça. J'aurais pas dû. Ouais, des rats. Je pense qu'il est temps qu'on se sépare. Pourquoi ? Je commence à m'inquiéter pour toi. Et tu sais ce qu'on dit. Si tu commences à t'inquiéter pour quelqu'un, ça veut dire qu'il est temps de partir. je... Tu sais ce qu'on dit. Dès que je pense que c'est la merde, il faut que je me barre ! C'est pas moi qui le dis, c'est l'expression. C'est ce qu'on dit. Dès qu'on pense qu'il y a du danger, chacun pour ses biches. Par contre, c'est marrant, il faut activer l'instinct de survie. Mais d'ici là, le GRE aura perdu le contrôle du virus depuis longtemps. Le greux. Tu sais ce qu'on dit. Le greux. Le greux évolue. Five years later. Ok. Journal. Objet ramassable. Ah bah voilà, très bien. 5 ans plus tard, qui se souvient de Haran ? Reste-t-il un espoir pour les milliers de gens pris au piège de Haran ? 5 ans ont passé depuis la mise en quarantaine de la ville de Haran. Ses habitants qui pensaient être à l'abri du virus se trouvaient désormais dans un piège mortel. Livrés eux-mêmes, sans aucune aide extérieure, pourquoi le monde a-t-il tourné le dos à Haran ? Une ville jadis prospère. Et t'en tourner le dos, comment ça hein? Tourner le dos. Trahison? Une ville jadis prospère à pleine de vie avec des milliers d'habitants, peut-être simplement très effacée. Être effacée des livres. Mais attends. Mais what? Comment ça effacer? C'est-à-dire qu'en fait, les gens ont. Ils ont juste fait de la désinformation? Pour ça, attends. C'est bizarre quand même. Il faut qu'on se sépare. 5 mètres plus loin. Hey, toi ici! Ouais, toi ici! Qu'est-ce que tu deviens? Alors. Je me demande quel goût avait le vin à l'époque. C'était toujours aussi dégueulasse. Je te jure. Alors, c'est marrant que tu puisses Nada. Interagir uniquement de. En faisant un instinct de survie. Je trouve que c'est relou, perso. De devoir. Tu vois? Là, je peux pas interagir. Je dois faire ça. Ok. Masquer la zone. Masquer la zone. Oh. Il se moche quand même. Voilà ce que ça fait le vin.
brise le cœur. Oh, le cœur, le cœur. Il n'y a rien de mieux qu'une fête pour célébrer la fin du monde. Ils sont morts selon leurs propres termes. Espérons qu'on aura aussi cette chance. Aiden, je vais voir ce qu'il y a là-haut. Tu vérifies le jardin, ok? Ok. C'est le même gars qui a dit il y a 5 minutes, on se sépare, hein. On est d'accord. Le mec a dit allez go, tu vois, on a rien à faire ensemble. Tu sais ce qu'on dit. Adios amigos. Oh c'est super. Ok. Elle avait de la classe. Je sais pas si j'ai fini de looter à l'intérieur. Ah. Ah, j'ai un pote qui le ressent. À l'être. Ça va être triste. Très chère Marie, je suis désolé de t'avoir fui. On dit qu'une fois que le virus te transforme, on part pour toujours. C'est pas possible. Je sais qu'il y a encore de toi là-dedans. Sous toute cette peine et cette maladie, je viens te rejoindre. Plus de fuite. Oh, c'est triste. Aiden, viens, regarde ça. Ah, c'est giga triste. C'est super triste. J'arrive, je vais voir s'il y a de... Mais c'est giga triste. Ouais, ouais, j'ai tout looté à l'intérieur. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'ils retirent les éléments une fois qu'on les a. Oh, c'est giga triste. Oh, le trigger. Ils étaient ensemble. Évidemment, presque c'est triste qu'il m'a récupéré avec Spike, mais pas autant. Ah, c'est super beau quand même. Hein. Même s'il faut reconnaître que ça glitch chelou. Oh, le mouvement dégueulasse, c'était pas. J'aime qu'il faut monter. Je sais faire ça. J'ai déjà entendu parler de cette rumeur. Yes. Ah, il y a quelque chose de giga triste hein, quand même là-dedans. Pourquoi dans mon cerveau j'ai envie de prendre un instrument de musique comme dans Sea of Thieves. Ah, c'est toi, mon pote. Ok, du coup, j'étais en train de me poser la question. Un cadeau? Un cadeau du ciel, pour être plus précis. Il pleut des pattes. Je viens le trouver près du cadavre de son propriétaire. Puisse-t-il être plus utile? Tiens. Quelque chose de très triste. C'est tombé à plat. Regarde-toi, avec ton palais sophistiqué, bois. Qui aurait cru que la fin du monde pourrait être si paisible? Ah non, moi je le dis depuis des années, hein. Ah, je te jure. Jusqu'à ce que la nuit tombe. Je le dis en stream, ouais. Je le dis je le dis dans mes textes. J'aurais aimé que Crane puisse voir ça. Qui? Peu importe. J'ai traqué ce type pour toi. Quel gars, on s'en fout, mais on a dit les pires choix. Quoi? Quel gars? Arrête de faire semblant. T'es devenu un pèlerin pour traquer cet enculé. Oh, Walt, quel vulgaire personnage. J'ai trouvé quelqu'un qu'il connaît. Ah, ça c'est de la triche. Ça, mon gars, ça c'est super de la triche. Tu sais, ça c'est le syndrome quand t'es MJ, que tu as deux portes et que tu dis aux joueurs « Alors, vous voyez une porte à droite et à gauche, vous prenez quelle porte ?» Et que tu sais que le scénario est à gauche. Du coup, ils te disent « On prend la porte de droite. » Et du coup, tu décris tout ce qu'il y a à la porte de gauche, tu l'as décrit à la porte de droite. Et tu fais « Vous arrivez par hasard donc, devant le boss de fin ?» Donc, c'est dégueulasse. Vous, les scriptionnistes. Quoi? Et tu me le dis que maintenant? Quand je t'ai filé une bière, j'ai pensé que tu devinerais qu'on fêtait un truc.
Le gars est à Ville d'Or. Il est censé savoir quelque chose sur Walt. Ville d'Or. Je suis donc aussi près du but. J'ai un service à te demander. Tu peux livrer ça à Gary ? C'est sur ton chemin. Les gens aiment pas les pèlerins là-bas, mais ils paient bien. Et où les gens aiment-ils les pèlerins, Aiden ? OPSP pèlerins ? Ils ont peur de nous. Chacun fait comme il peut pour survivre. Peut-être. Mais quand quelque chose doit être transporté à travers les hordes infectées, alors soudainement, il frappe à nos portes. D'accord. Mais tu m'en dois une. Oh, pas qu'une seule. Et ce type, alors ? Eh ben, je l'ai parlé à la radio. Il ne m'a pas dit son nom. On dirait qu'il a quelque chose à se cacher. C'est ce qui devient. Tu vois l'antenne sur la colline ? Elle t'aidera à contacter le gars. J'imagine il vous écoutera à l'aube sur la fréquence de 140.200 MHz. Je lui ai dit qu'il aurait bientôt de tes nouvelles. Tu sais ce qu'il va en retour ? Non, je m'en fous. On s'en fout, tu sais quoi. Okay. Je vais aller directement en ville. C'est pas aussi simple. Ville d'Or était censée être l'une des zones. Des villes qui ont été emmurées pour empêcher l'épidémie d'entrer. Oui, oui, oui. Le plan a foiré. Je te rappelle que je suis devenu un mais être humain maintenant. Cette ville a réussi à survivre. Donc je m'en fous de tout. Mais ce gars connaît un et moyen je vais faire d'entrer. Les mauvais choix. Contacte-le et il te racontera tout. Non, mais je m'en fous en fait. Mais c'est... Laissez-moi faire les mauvais choix. Je veux être libre. Libre d'être nul. J'en ai marre. Qu'est-ce qu'il veut en retour ? Laissez-moi ! Mais il n'avait pas l'air du genre de gars qui fait les choses gratuitement. Je crois pas que ce genre de gars existe. Quoi ? Et moi alors ? T'es un vieux schnock qui aime faire la course et qui me fait poser des questions sur sa tarée de copine. Ah ouais ? C'est qui cette poufia, Spike ? Jane est juste un peu... une tête brûlée. Dis-moi tout ! Elle arrive toujours à se mettre dans le train. T'as changé ! Mais si tu pouvais la voir... D'accord, il est encore trop tôt dans la soirée pour ce genre de discussion. Les yeux. J'allais dire les yeux. Beau. D'acier. Énorme. J'ai jamais entendu personne s'énerver autant pour des yeux gris. Parce que tu connais rien du monde. Et encore moins des femmes. T'as peut-être raison. Je te le dis, je finirai par trouver Jane. Et on construira une maison. On y vivra. Personne ne nous chassera. Je suis désolé. Et de me balader ça, comme un c'est la ligne de dialogue. Je bois ça. C'est la ligne de dialogue d'un PNJ qui va mourir. Je suis désolé. Hein. C'est le scénariste qui parle. C'est une ligne de dialogue d'un PNJ qui va mourir. Et ce Walt, c'est quoi son problème ? Il est de ta famille ? Non, pas du tout. J'ai des projets. Alors pourquoi tu le cherches ? Mort. Tu vas me le dire un jour ? Ouais, un jour peut-être. Bien. Mon temps est écoulé. Quand est-ce que je te revois ? Ouais, bah c'est clair. Vu ta ligne de dialogue, c'est clair. Je suis désolé, peut-être. Mais c'est totalement vrai. Prends ton temps toi. Est écoulé. Merci j'espère pour cette cinématique, Spike. Ou qui que ce soit d'autre. T'es un être incroyable. Et rappelle-toi, 140.200 MHz. À l'aube, le gars t'attend. Quel gars ? Voilà, ça va être intérieur. C'est un poil relou de devoir... Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Vous avez entendu comme moi ou j'ai plané là ? J'ai pas plané ? Ok, j'ai... Ah, j'ai pas tout looté. Entendu quoi ? On a entendu un truc, hein ? On a... Ça tire dans... Ok, il y avait quelque chose là. Probablement pas trop, hein. Ah, je pensais pas qu'il y allait y avoir quelque chose ici. Et franchement, comme c'est un univers de craft, faut vraiment looter à fond. Cigarette, ça va être probablement soit pour descendre le stress. Je sais que dans Metal Gear Solid, c'était ça, hein. Tu descendais ton stress. Tu entamais ta santé, mais tu descendais en stress. C'était bien pour le snipe, par exemple. T'avais moins de tremblements et tout.
Non, là, pour le coup, les sangs sont quand même un peu... pipouilles. Ok. Ouais. C'est quoi ça? Vous avez entendu genre se rapprocher et respirer dans ma glotte, hein, non? Ok. Je crois que c'est à ce moment-là où ça va commencer à être... C'est beau et c'est giga inquiétant, hein. J'ai vu comment c'est... Oh. Incroyable. Par contre, je trouve pas ça... Ah, des mordeurs. 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 Soirée mordeur, c'est ça? Mordeur parti? C'est un rideau ou c'est quelqu'un qui bouge là? Oh! Alors. T'es peut-être devant moi. Viens là. Je suis pas allé dans l'eau jusqu'à quand? Oh. Bien ça. Okay. On va aller sneaky snake. Ah, élimination! Action discrète. Ok. Non, 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 alors non. Écoute. J'ai 4300 heures à Dead by Daylight. Qu'est-ce que tu veux faire? Allez, achève. Mais non! Oh non, le mur! Qu'est-ce que tu fais là, con de mur? C'est pas vrai ça? Qui a planté ce mur ici? Non, mais non, tu me vois pas là. Quoi, tu m'as vu, sans avec? Est-ce que je peux être Bark Block? Oh, mais non, mais il escalade! Il escalade! Vas-y, est-ce que tu peux être bloqué par le... Vas-y, tombe. On essaie de voir si on peut faire une barque bloc. Voilà, c'est ça. Le move de côté. Voilà. Ouh!
J'aurais pu la fouiller en l'air pendant qu'elle est en train de choir. Alors, c'est passé par la fenêtre. Ok, ça c'est du craft. Ah par contre, il y a un truc derrière. Je pense que c'est un. J'ai pas encore été touché, hein, donc je peux totalement looter. Ouais, ouais, c'est ça. Hein. Bon, je trouve pas mal de matos. La porte. Ok, encore de la camomille. Hein. Franchement, j'espère que les proches sont assez profondes pour toute cette camomille. C'est bizarre de mettre de la vie sur un zombie. Ah. Bah, tu sais, ça peut te paraître bizarre de mettre une mécanique de vie sur un zombie, mais c'est. Sémantiquement, la vie sur un zombie, ça n'a aucun sens, on est d'accord. En revanche, tu peux parler de niveau de démembrement, ou tu peux justifier ça au niveau gameplay par ce que tu veux. Tu peux dire aussi que... Ok. Ah, c'est... Tu peux dire que tu les tabasses jusqu'à les mettre en bouillie, en fait. Tu peux avoir une sorte de gameplay global. Par contre, c'est hyper... ils peuvent choir de là-haut ? Genre ils... Parce que là pour le coup ça fait très World War Z. Allez hop, hein. Tu peux glisser. Tu fais le tour, tu as l'impression que tu fais le tour, non? Tu vas glisser je pense. Attention, c'est pentu, voilà. Moi aussi je suis pentu. Oh. Reste pentu. Hein. C'est très bien avec Light 1. Après. N'ayant pas le jeu dans les mains, je m'appelle pas vraiment un vrai. Non mais, à mon avis, il compte néanmoins. Hein. Disons que sur la sémantique, la notion de vie, en effet, est totalement galvaudée, n'est pas juste. Néanmoins, tu peux parler de jauge d'éradication, tu peux parler de plein de choses, tu peux... D'un point de vue gameplay... Ah, pa, pa, da, pa, 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 da, pa. Et c'est hyper relou, ils ont... Ils sont la couleur de, du décor. Car en vérité... J'étais là. Je peux pas achever. D'une autre manière, alors... que ça? Ok. Ils sont vraiment couleur, ils sont couleur du décor là-dessus. Et l'instinct de survie, pour le coup, l'instinct de survie, alors ça, pour détecter de la camomille, il y a du monde. Oh, les pentes glissantes, je trouve que les pentes glissantes, elles apportent... Une subtilité gameplay qui est vraiment... vraiment fifou, hein. Ah non, on ne peut encore retourner en arrière. Par contre, on peut pas escalader à l'infini, hein. La jauge d'endurance, elle te limite vraiment. Ça, c'est très stressant. J'ai pas souvenir d'avoir vu ça dans d'autres jeux. Le fait que de se retrouver avec une jauge d'escalade, de pente. Ça, c'est hyper angoissant, tu sais, Jess. Ok, ça c'est de la déco à zombies. Ça c'est de la déco à zombies. Ça on sait, c'est de la déco à zombies. Ça fait vrai. Ouais, j'ai habité pendant un temps sur des flancs de collines. Et j'aimais bien faire des randonnées, même tout seul. Sur des... dans des collines. Et j'ai fait une... J'ai fait des randos avec mes... Oh, wow. Avec mes cousins. Dans des collines, enneigées, on s'était perdu. On a fait avoir très gros accidents, j'étais ado. Mais le goût de l'aventure. Et il y avait cette sensation de pente, elle était, mais j'ai jamais vécu en tant que tel. Hein. Waouh! Alors je sais pas si c'est le jour qui donne cette impression. J'ai l'impression que c'est le jour qu'il est stun. Mais non! Je pense qu'ils vont bouger d'un seul coup. Ils vont se mettre à bouger d'un seul coup. Ouais, Kingdom, on dirait Kingdom. Regardez la série si vous avez Netflix, si vous avez la possibilité de regarder la série. Regardez Kingdom. L'une des plus incroyables, loin devant, série de zombies très intelligente. Et dans une autre époque, dans un autre contexte politique, mais vachement plus réaliste.
où tu t'accroches plus à au contexte que Walking Dead. On va faire du bruit. Je sens mal. C'est d'arène. Sans série. Kingdom incroyable. Regardez là. Les trois royaumes version zombie. C'est le même studio. Ah, ça va super, Darren. J'espère toi aussi. Je veux pas toucher par terre. Je vais rester à chat perché. S'activer. Mauvais choix. Ils vont se mettre à courir dès que je vais arriver de l'autre côté, c'est sûr. J'aimerais assez. Non, franchement, fais-moi ton retour si tu as aimé ou pas. Sur Kingdom. La musique étrange. La na. Est-ce que. Question pour la science. Non. Question pour la science. Est-ce que si je m'approche, la musique elle va devenir stressante et si je recule, quelle est la hitbox de l'ambiance? C'est pour la science. Et il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Oh, on a cassé la bonne ambiance. Bon bah... Parfait. On a cassé la bonne ambiance. Ah, vers le haut, ok. C'est bien ce que dit. Il y a quelqu'un qui le disait, qu'il fallait orienter la... Ah, pourri la bonne ambiance. La bonne ambiance, elle est restée dans le tunnel. On l'a laissé là-bas, on a laissé la musique sympa. Oh, vraiment, les enfants roses, là. Oh, attends, c'est terrible. C'est horrible. C'est-à-dire qu'en restant suspendu, ok. Par contre, je peux... Voilà. Parce que pour escalader les falaises, c'est vachement plus pratique. Miel, camomille. Par contre, faut que je me dépêche d'escalader, ok? Très bien. Parce que l'endurance... Bon, par contre, c'est pas... La joue d'endurance sur les escaliers, c'est pas... Faut... Ah, ça ressemblait à un bonhomme vu de loin, comme ça. Genre, le gars, il a attendu un peu trop le bus et il se transforme en miel. Je trouve que c'est... C'était plus assez vite quand tu es suspendu. Ouais, je suis d'accord. Je trouve... Je trouve deux éléments de gameplay un peu superficiels. Là, l'endurance sur la suspension, je trouve qu'elle est... Je pense, alors, faut réfléchir en termes de... transverse. Je pense qu'ils ont mis de l'endurance sur les échelles et tout, pour éviter de te retrouver à contourner les problèmes des zombies. Et te, juste te laisser suspendre et les zombies t'atteignent pas. Parce que c'est le premier truc auquel tu penses. Te dire voilà, chat berger.
Qu'est-ce que tu veux faire? Faut rien faire. Là maintenant, tu réfléchis en termes de game design. Tu sautes, tu te suspends. Le zombie, il se penche, il tombe. Alors toi, t'es fatigué. Tu as gagné 2 secondes, mais tu tombes aussi. Et tu le rejoins. Oh, bien, ça c'est bien. Ok. I believe I can hide. Bye. Aïe. Ok. De l'eau croupie? Non, ok. Pour divertir et montrer une touche de réalisme. Ok. Ok. Non, tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Ok. Attends. On peut faire une Sparta? Non. Ok. Attends, on va tenter de faire un coup de pied là. LBRT. This is... Ok, on va tenter un truc. Non, 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 non. This is... Ah. Oh. Oh. J'ai pas fini la phrase. Juste porte, hein, tu vois. Presque épique. Épique à 25%. Ah, par contre, comme vous regardez, il y a des feuilles un peu plus orangées qui permettent de... Sparte, c'est loin, non? À pied. Oh. Il va pleuvoir. Raining Zombie là. Oh non, 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 non. J'aime pas trop ça, hein. J'aime pas trop ouais. J'aime pas trop cette histoire de sauter au bon moment. On sait ce qui va se passer. Qui le sait? Qui le sait? On sait ce qui va se passer. Tu le sais, je le sais, tu le sais, je le sais, je le sais, tu sais. Hein? Non. C'est qui les beaux gosses? Tenons. Nouvelle compétence. Allez, ça vous a impressionné. N'en parlons plus. J'ai l'impression qu'à gauche, c'est plus bourrin quand même. Saut rotatif. Double saut. Ah, ça le double saut, hein, on sait, hein, dans les Devil May Cry, dans tous les univers. Ça, c'est... Le double saut, c'est hyper important. Y a de la furtivité ou quoi? Tic-tac. Réseau social très connu. Seulement 2 calories. Enfoncement. Oh! Juggernaut! Alors ça... J'y suis presque. On sait... Oh, ça reste gigabon quand même, ça reste gigabon. Par contre, c'est moi ou... Le soleil se couche. C'est pas une vue de l'esprit, on est d'accord que c'est pas juste une vue de l'esprit. Hein. Le soleil se couche. Le soleil est en mode... Manu les petits enfants... Oui, non mais tu sais quoi? Il y a plein de zombies partout. Mais ouais, genre fais ça. Genre comme ça. Je suis giga rassuré. C'est le meilleur plan. Très bien. Ah, il fait déjà sombre. Il est temps de me planquer quelque part pour la nuit. Ça pourrait pas être mieux. Musique fait peur? Musique fait peur. T'as pas l'air de contrôler la situation vu ton ombre, je suis désolé. T'as pas l'air giga de contrôler la situation, t'as plus l'air d'être là en mode... Maman. Ouais. C'est comme ça qu'on... Okay. Sauter sur une gouttière... Oh, bien ça. Non, il y a une bouteille de gaz là. Maintenez pour la faire. Ah non, non. Pour lancer. Non, je veux juste la poser. Comment on fait pour la poser? C'est comme si je l'avais pas ramassé finalement.
putain. Ouais, fais ça. Oui. Il est tout seul. Non, il est pas tout seul, il est tout seul à deux. Il est tout seul à trois. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ça? Mais arrête d'avoir peur! Ok! Possède des attaques puissantes, hein, qui inflige énorme. Ah, c'est le fameux Omnicron, le variant zombie. Ouais. Non, c'est pas ce que je voulais. Sur le côté. Ok. Yo. Saute. Viens vers. Viens. Non, viens pas. C'est un peu présomptueux, j'ai l'impression quand même. Viens. Viens. C'était moins une. Allez. Notre vie, on n'a pas tant été blessé que ça en vérité. Hein. On a pu gérer tout ce qu'on devait. C'était tendu, on va pas se mentir, c'est tendu. Le zombie de Satan. Hein, ce zombie là. Hein. Ouais, grave. Très impressionnant. Sinon, est-ce qu'il n'y a pas du miel ou de la camomille? Franchement, c'est aussi une manière de tester le jeu. Dans la mesure où on se demande si l'affrontement, est-ce qu'il est plausible ou pas. Il y a des jeux qui sont quand même vachement plus compliqués pour l'affrontement. Il y a des jeux qui t'encouragent absolument pas l'affrontement. Ok, très bien. Hachoir éculé. Oh, ce qu'on a à peine. Ok. Bien ça. Mais oui. C'est bon ça. Par contre, la musique. La musique, c'est pas genre. Giga ouf. Niveau discrétion, on va pas se mentir. Hein. C'est pas bon pour ma batte. Ah, j'aurais pu. Je l'ai pas fait. Ça, j'aurais dû le faire. Ça, là. La station de diffusion devrait être quelque part par là. Ah ouais, pour avoir diffusé par terre, ça a diffusé par terre. Ah, ça a diffusé, là, sans aucun doute. Là. Bien diffusé, là. Niveau santé, on est ok. J'ai peur de perdre ma batte, en fait. J'ai peur que... Au niveau craft, on est quand même pas mal de matos qui soit perdu, genre, je sais pas, à force d'être abîmé, à force de donner des coups de latte. Enfin, le coup de latte, des coups de batte en l'occurrence. Qu'est-ce que c'est que ça? L'instinct de survie.
Ça, par contre, c'est bien, tu vois. Ça, c'est intéressant. Mais pour chercher la camomille, ça, c'est infiniment genre relou. De toute façon, c'est un jeu qui va cultiver beaucoup la verticalité. Donc, le symbole. Ah, mais c'est vrai qu'on peut craft. Oh, attends. Ouh. Empreinte de pas. Attends. J'ai pas de point de parcours. Encore. Par contre, je peux. Oh. Vous voyez ce que je vois là? Vous voyez ce que je vois? Oh, ça, c'est ce que j'ai. Batte dégoûtante. Ouais, on se commet à peine. Je veux me l'équiper. Je veux avoir. Je veux savoir ce que ça fait que d'avoir. Je peux pas le. Alors, ça, je l'ai. Je le veux en boomerang. Va avoir d'autres raccourcis. Tiens. Pardon, ça va. Il est, le coup est parti tout seul. Ah, désolé. Ah, j'ai touché le mur et ça l'a blessé. Ça l'a abîmé. Ok. Oh mais mon dieu. Ah, le marteau tuyauterie, là. Ah, caviar. Ah, j'ai envie de garder là, juste là, pour le plaisir de partager un moment serein. On n'a toujours pas trouvé ça ouf, quoi. Ça a été déplacé. Instinct de survie de... Ok, essayons. Okay. Ah, c'est pas mal. Cherche un endroit sûr pour la nuit. Est-ce que t'as vraiment besoin d'un endroit sûr pour la nuit quand t'as ça? Quand t'as un boomerang de... Oh. Zone sécurisée. La lumière UV, c'est comme dans le 1. Venez déverrouiller la première zone sécurité. Ok. Agrandissant par la même occasion votre réseau de points d'apparition. Réapparition, ok, donc le checkpoint. Toutes les zones sécurisées sont équipées de lumière UV. L'effet est super joli. De plus, chaque zone sécurisée donne accès à des zones de repos qui vous permettent d'alterner entre le jour et la nuit ainsi qu'à la planque Taiden où vous pourrez placer les objets dont vous n'avez pas besoin dans les médias. Ok. Oh. C'est ça, la station de diffusion. Ah, mais j'aimerais fermer l'accès maintenant. Attendre jusqu'au matin. Non, on va d'abord tout vider. Ok, ça c'est... Là, on peut mettre un hachoir. On va... Gangrène. Achète comme... Jamais, il y a des noms en fait aux objets. J'ai la gangrène. J'ai la gangrène, je vais te montrer. Franchement, 24, mais sérieux, mais tu les mets où tout ça? Ah, dans la petite poche en bandoulière, pratique. Regardez là. Ouais, il y a de la place. Il y a de la place. Allez, fais voir ce que ça. Fais voir ce que vaut la gangrène. Ah, je peux pas sortir d'arme ici. Quel dommage. Ok. Un ok. C'est bien, je pense que c'est cette planque qui est bien. Par contre, ouais, pas grand chose. Hein. Plutôt sombre dans mon obscurité là. Je peux pas refermer là parce que j'ai. En fait, avant de m'endormir, j'ai juste envie. Ouais. J'ai très envie de juste. Je sais pas. Ah, comment dire. Fermer! Avant de fermer. Avant de m'endormir. On va pas fermer l'endroit, hein. On va s'endormir alors qu'on a ouvert et qu'on a... Hein. On va rien sécuriser. T'es pas là pour ça. Psst. Hayden. Hayden, bébé Hayden. On court ou quoi? Mais genre, maintenant? Non, quand on sera vieux. Maintenant, Heidi. On a besoin de matos. Tout est prêt. C'est tellement calme. Où sont-ils tous? Peut-être qu'ils sont tous morts. Yes. T'es stupide. Allons-y. Maintenant. Chut. Tout va bien se passer.
Attends ici. Rien de bon n'en sortira. Tu as amené 12346 ? On était censé ramener les patients en ville. T'inquiète pas, ils vont nous laisser partir. Heidi, j'ai peur. Je suis là. Tu n'as rien à craindre. Je sais. Fais ce que je te dis. Doucement. Tu vois, Peter ? Même s'il nous sépare, c'est comme ça qu'on se retrouvera toujours. On n'y arrivera pas. L'armée sera là à tout moment. Attends. Ferme tes yeux. Alors que c'est pas juste une seringue, c'est une seringue avec une foreuse. Au feu ! Il y a le feu dans le labo ! C'est pour les petits fiens ? Eh ben, je me suis bien reposé, c'était génial, hein. J'ai kiffouillé.